Voilà, on se retrouve, rouge et blanc, couleur de l'Alsace. Aujourd'hui, un peu de pain de campagne et on va mettre des produits un petit peu en avant de mon copain Alain Trottmann, c'est les produits Alelo. 3 heures de queue pour aller faire un McDo, nous rien du tout. Hamburger alsacien, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Alors, faut pas grand-chose. Un peu de viande, du pain de campagne qu'on a là, qu'on a coupé en tranches. On a une petite tôme des Vosges qu'on a coupé en morceaux, 2 petites tranches de jambon forêt noire, et puis un peu de viande hachée, là on a grosso modo 100 grammes. Un peu de salade, des oignons frais alsaciens, 2 œufs, et vous allez voir, on va se faire un super petit repas en quelques secondes. Voilà. J'assaisonne bien mes viandes, voilà, un petit coup d'assaisonnement là-dessus, pardon Lancelot. Alors j'en profite aujourd'hui, c'est jour de régime pour Anne, donc je mange avec mon fiston. Voilà, donc c'est lui qui filme aujourd'hui, parce que là, Anne, elle en peut plus. Voilà, donc dans la petite poêle, bien chaud, une jolie couleur. On va regarder. Un aller-retour, hein, vraiment garder la viande bien bien saignante. Voilà. Et on va jongler avec tout ça. On va se prendre la petite assiette qu'on va mettre à côté là, parce qu'on a besoin pour le dressage. Je vais en profiter. 2 premières petites tranches de pain là qu'on va juste snacker un petit peu là dans la poêle avec un petit peu de beurre. Voilà. Ça va prendre du goût, ça va être juste magnifique. Voilà. Je réserve un tout petit peu la viande sur ce côté-là. Je pose une première petite tranche de fromage sur là-dessus, un autre sur mon pain, l'autre sur la viande. Voilà. On va poser ça là-dessus et on va mettre tout ça sur l'assiette pour l'instant. Voilà. On va finir en faisant les 2 œufs, on n'y touche pas, on va les laisser tirer tranquillement. Pendant ce temps, un petit peu de mayonnaise à l'ail des ours qu'on va mettre sur le dessus. Voilà. Un tout petit peu de moutarde, on va venir là, Lancelot, sur l'autre pain qui reste, là, pardon. Voilà. Un petit peu de moutarde, l'ail des ours, sur le deuxième morceau de pain qui nous reste, sur lequel on va mettre un tout petit peu de ketchup à l'Elor. Un petit peu de ketchup, on mélange. Voilà. Donc là, on a 2 produits absolument superbes. La mayonnaise à l'ail des ours et puis la moutarde à l'ail des ours. Voilà, je repasse ce petit bout de pain également là-dedans. Mon fromage qui fond tranquillement. Je vais rajouter là-dessus un petit peu de salade. On va rajouter là-dessus un petit peu d'oignon, comme ça. C'est pour amener le croquant, ça. Hein. Voilà. Là, pareil, des petits oignons. Nos œufs sont presque cuits. On va attendre 2 secondes. On va les assaisonner très légèrement. Hop. Dans la même poêle, la petite tranche de jambon qui va bien, on va venir poser sur le dessus là. Nos œufs, on va les garder bien bien moelleux. Notre pain va bien, ça va se décrocher, pas d'inquiétude. Voilà, on va positionner notre premier œuf. Alors ça colle un peu parce que j'avais de la viande avant, hein. Hop. Là-dessus, notre deuxième, j'attends là que le blanc soit bien pris, de la même manière, hop, on pose là-dessus, il nous reste à finir, avec quoi Lancelot? Le petit buns qui va venir à l'envers se poser là-dessus, voilà,
Et il nous reste à vous souhaiter un excellent appétit. Pas besoin d'attendre 3 heures. Vous avez vu, c'est 5 minutes et c'est juste le top. Merci à Laylor pour les super produits.